Bonjour et bienvenue dans votre émission de prière quotidienne. Je suis heureux de vous retrouver et j'espère que vous pouvez prier avec nous chaque jour. C'est une grâce quand même, MCI TV. C'est une grâce de pouvoir enregistrer ces émissions au quotidien. Et je me disais aujourd'hui que, en repensant à ces livres que j'écrivais quand j'étais un peu plus jeune, si à l'époque j'avais eu la grâce, Pasteur Douglas, d'avoir des émissions comme ça, ça m'aurait tellement édifié, m'aurait tellement béni. Je me souviens d'être avec Michael, lui il était étudiant dans une chambre IUT. Et des fois j'allais le voir et il me partageait un message en audio qu'il avait trouvé ici et là, mais c'était compliqué de trouver des messages sur internet et encore plus compliqué à la télévision. Et aujourd'hui je me dis quelle grâce d'avoir des émissions qui sont disponibles pour les jeunes et les moins jeunes. On est vraiment reconnaissant au Seigneur pour ça et pour toutes les personnes qui soutiennent le ministère de MCI TV. Merci pour votre soutien généreux, pour votre soutien fidèle envers cette œuvre extraordinaire. Dieu est en train de faire des choses glorieuses. Amen. On est reconnaissant d'être maintenant sur satellite en Afrique, au Maghreb et au Moyen-Orient, dans plusieurs endroits du monde et bientôt sur Free. Et peut-être quand vous allez l'écouter, ce sera déjà fait en France et au-delà. On va essayer d'aller vraiment de plus en plus dans toutes sortes de pays francophones pour que l'évangile puisse être diffusé, couvrir toute la terre, que les hommes et les femmes puissent se convertir à Christ, être transformés. C'est vraiment notre cœur, c'est notre désir. On est reconnaissant à Dieu pour tout ça. Dans Galates chapitre 4, Pasteur Douglas, tu as cité ce passage aujourd'hui. L'apôtre Paul qui dit « Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau, il dit de nouveau, les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Et je crois que c'était vraiment dans la prière. Il priait pour les gens. Et c'est vrai, on a parlé de cette semaine. Pendant cette semaine, on va continuer aujourd'hui à parler de ce travail de l'Esprit de Dieu en nous, le travail du potier dans notre cœur. Mais il est aussi bon de pouvoir prier pour les autres, pour les personnes qui sont autour de nous, de prendre le temps de les mentionner dans la prière. Et parfois, Dieu nous donnera des fils aussi, des fils spirituels. Et on devra parfois prendre le temps de prier pour eux jusqu'à éprouver les douleurs de l'enfantement. Et aux Galates, il leur dit, il leur rappelle, mais c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Ne vous laissez pas à nouveau remettre ce joug de l'esclavage. Ne redevenez pas esclaves. Et il dit, mais vous courriez bien. Qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité? J'aimerais aujourd'hui m'adresser à quelqu'un qui est en train de retourner en arrière, qui est en train de rétrograder, de revenir à ce qu'il était auparavant, que le Seigneur puisse vraiment vous toucher, vous fortifier, en vous rappelant que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et avec ses désirs. Et ça, on en a parlé un peu les jours passés de ce travail, mais maintenant, on veut parler du feu de Dieu. Ce feu de Dieu pour devenir un véritable instrument. Et ce feu de Dieu qui a plusieurs actions. Et l'une de ses actions, c'est qu'il est un moyen de purification. Il vient nous purifier. Ben, en effet, lorsque le potier a fini de donner la forme à l'argile sur le tour, il apprécie lui-même le vase. Ce vase ne peut pas encore être présenté, au fait. Pourquoi ? Parce qu'il est encore mou. Il n'est pas encore dur, si je peux ainsi m'exprimer. Et alors, qu'est-ce que le potier fait? Il le retire du tour et il le fait passer par le feu. Dans le but, en gros, c'est la cuisson. Dans le but de durcir le vase constitué de l'argile, parce qu'au départ, c'était argile, mais là, on ne parle plus d'argile, on parle maintenant de vase, un vase d'honneur. On parle d'un chef-d'œuvre. On parle d'un travail que aux yeux de Dieu qui est fini et qui est beau. Dieu lui-même apprécie, il est content. Et il est même pressé de te présenter à la place publique parce qu'il sait que j'ai fini mon travail. C'est comme quand vous concevez quelque chose dans le secret, dans un laboratoire, ou je ne sais pas. Mais une fois que vous avez réussi, vous voulez que tout le monde puisse voir. Vous voyez? Et c'est la même chose. Et, mais par contre, tu ne peux pas, Dieu ne peut pas te présenter sans avoir passé par le feu. Et ce feu, en réalité, représente en fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Je me base sur Genèse 2 d'abord, Genèse 2, 7. On l'a lu quelques jours auparavant.
Il dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ensuite, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Et quand on voit dans l'hébreu, le verbe souffler, c'est nafak qui veut dire simplement et littéralement allumer. Le Saint-Esprit vient comme un feu et c'est ce feu-là, au fait, qui fait de nous des hommes animés. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Et quand le Seigneur a formé, le Seigneur Jésus a formé ses disciples pendant 3 ans et demi, il ne les a pas envoyés comme ça. Il leur a dit, attendez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et c'est le jour de la Pentecôte qu'il y a eu un déclenchement. Pourquoi? Parce que le feu est venu du ciel. Et alors qu'ils étaient ensemble, assis dans un même lieu, certainement dans la prière, c'est pourquoi j'encourage vraiment les hommes et les femmes vraiment à la prière, parce que ça active et ça déclenche le mouvement du ciel, ça déclenche la puissance de Dieu, et ah, il dira que le ciel va s'ouvrir et l'Esprit de Dieu va descendre, il y a comme un bruit, il va avoir un bruit comme celui d'un vent impétueux, il remplit toute la maison où ils étaient assis, et il fut rempli du Saint-Esprit, des langues semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres, c'était là la cuisson maintenant, le Seigneur a jugé qu'ils étaient maintenant prêts pour partir, prêts. Ils étaient maintenant solides, prêts à affronter d'abord le feu de la persécution. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit est comparé aussi au feu de Dieu. Et j'aimerais aider certaines personnes qui nous suivent à comprendre que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc quand on parle du feu, c'est Dieu qui doit venir t'envelopper de son feu pour te rendre capable, fort, t'équiper, pour que tu sois en mesure d'affronter maintenant le regard des autres, de glorifier Dieu au travers de ce qu'il a fait tout au long de tous ces processus. Et là, maintenant, tu es prêt. Et là, le Seigneur te lance. Le Seigneur est fier de toi. Et quand on lit toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, Dieu a toujours été pressé de lancer, de présenter ce qu'il a préparé. Ce qu'il a déjà préparé. C'est pour cela que Dieu prend toujours le temps de préparation dans le secret. Mais une fois que ce temps est prêt et fini, tu ne peux plus te cacher. Quand Jésus était revêtu de l'Esprit, qu'on le veuille ou pas, c'est sa renommée qui se répandait. Sans parler, sans faire trop de bruit, sans faire la publicité, il y avait des œuvres qui parlaient. C'est ça. Quand le feu vient, la puissance de l'Esprit vient, ça vient aussi dans deux dimensions, pasteur Jérémy. La première dimension, c'est d'abord à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que nous sommes comme remplis de Dieu. Jésus, rempli du Saint-Esprit, l'Esprit le pousse dans le désert pour vaincre les puissances occultes dans le secret. C'est nos victoires secrètes qui nous qualifient pour nos victoires publiques. Parce que David a tué l'ours et le lion dans le secret. Il était capable de tuer Goliath en public. Et pourquoi? Parce qu'il était qualifié, il était oint, il était rempli de l'Esprit. Et quand l'Esprit de Dieu vient en toi, il te donne la nature de Dieu. L'Esprit de Dieu vient en toi, il te rend fort, il te donne la puissance, l'autorité, les capacités de pouvoir vaincre toute forme d'opposition. Voilà pourquoi, à chaque fois qu'ils étaient persécutés, il y avait le feu de l'épreuve, ils ont tenu. Étienne pouvait prêcher avec tant de force, sachant qu'il allait être tué. Pourquoi? Pas à cause de lui, à cause du feu qui était en lui. Jérémie pouvait dire dans Jérémie 20, verset 9, je crois, il dira, quand je dirai que je ne ferai plus mention de lui, il y a dans mon cœur comme un feu qui brûle au-dedans de moi. Ce feu-là te donne les paroles de Dieu. Ce feu-là fait que ce que Dieu est en toi et ce qu'il a fait en toi doit être visible. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Or, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, de ceux qui sont conduits par l'Esprit, de ceux qui ont déjà le feu en eux, ce feu qui bouillonne. Parce que quand ça bouillonne, tu ne peux pas le contenir, tu ne peux pas le maîtriser. Et je crois que c'est ça le véritable réveil. C'est quand on ne peut plus contenir cette gloire que Dieu est en train de déverser. Et cette gloire, ça va au-delà des quatre murs, ça va au-delà des dénominations, ça va au-delà des pays, des frontières, parce que Dieu a un projet. Dieu veut sauver le maximum. Dieu va accomplir ses projets et
il veut passer par toi. Il veut passer par moi. Il veut passer par un jeune qui me suit maintenant. Mais sois rempli déjà de ce feu à l'intérieur. Il y a un texte dans le livre de Psaumes que j'aimerais aussi partager. Toujours dans cette partie où on parle du feu à l'intérieur. Psaume 39, le verset 4. Psaume 39, verset 4, c'est David qui dit, mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait. Et la parole est venue sur ma langue. Et quand ce feu vient en toi, il te consume, tu es comme rallumé. C'est pourquoi il dit, rallume la flamme du don que tu as reçu. Le Saint-Esprit en nous, c'est le feu de Dieu, c'est la lampe de l'Éternel, c'est le souffle, le roi de Dieu, le pneuma. C'est ça qui est en nous et qui fait que tu ne peux pas te cacher. Lorsque le Saint-Esprit n'était pas encore descendu, lorsqu'ils n'avaient pas ce feu, ils se sont cachés. Ils avaient peur. Mais quand ce feu vient, ce n'est plus un esprit de timidité que nous recevons, mais son esprit nous remplit de force, d'amour, pas pour prouver, mais pour manifester ce qui est en toi. On n'a pas à démontrer quoi que ce soit, mais on n'a qu'à manifester celui qui vit en nous. Voilà pourquoi l'Église est le corps de Christ qui doit manifester Dieu. Christ doit être manifesté au travers de nous. Et Paul ira encore plus loin en disant, en donnant un conseil, en disant, n'éteignez pas l'esprit. Donc, si on parle de l'esprit, on parle d'éteindre, ça veut dire que l'esprit est comparé à un feu qui peut s'éteindre. Comment ? Par une vie de négligence, une vie de péché, par la religiosité, par beaucoup de choses, lorsqu'on n'obéit pas à la parole de Dieu, la rébellion à la parole de Dieu. Mais il dit au contraire, il faut que ce feu soit attisé. Et j'aimerais aujourd'hui encourager quelqu'un, un homme de Dieu, une femme de Dieu, un serviteur de Dieu, voire même un homme d'affaires, peu importe le travail que tu fais avec le Seigneur, ce que Dieu bâtit en toi, il veut qu'il y ait une explosion. Mais l'explosion commence toujours de l'intérieur. Comme la transformation commence à l'intérieur, Dieu commence aussi à t'allumer d'abord à l'intérieur. Ce feu au-dedans de toi qui doit maintenant s'extérioriser. Il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins, des martyrs, des gens qui sont prêts à mourir pour la cause du Seigneur, parce qu'ils ont connu, ils ont goûté. Il dit, Pierre même pouvait dire, c'est Paul d'ailleurs, il dira, je suis prêt non seulement à être lié, mais à mourir pour le nom du Seigneur. Il y a toutes ces personnes qui sont capables de bouleverser le monde, malgré le système antichrist qui prend de plus en plus de la place. On dira, non, nous levons nos voix et nous prêchons la parole de Dieu. Nous élevons les standards du royaume de Dieu et nous proclamons la vérité de l'évangile qui est la vérité christocentrique où Christ est au centre. Ça, c'est le feu qui vient en nous. Il fait que tu ne peux pas. Il dit, nous ne pouvons ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. Tu deviens un véritable témoin. À l'école, au travail, dans tout ce que tu fais, tu es un véritable témoin. Et deuxièmement, on a vu avec Moïse, hein, quand il a eu la rencontre avec Dieu dans le buisson ardent, sa vie a changé. Moïse est parti libérer le peuple parce qu'il a vu, il a entendu, il est devenu un témoin vivant. Voilà pourquoi Dieu a mis ses paroles dans sa bouche, parce que ce feu brûlait déjà en lui. Maintenant, la deuxième dimension, après le feu intérieur que nous recevons, la plénitude de l'esprit, c'est maintenant le feu sur nous, le revêtement. N'oubliez pas que le but de Dieu, c'est que nous soyons transformés à son image. Paul dira aux chrétiens que nous tous, dont le visage de couvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, à cette image de gloire, mais de gloire en gloire. C'est-à-dire la gloire que nous allons vivre aujourd'hui, elle est supérieure qu'hier. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Donc Dieu veut déverser une nouvelle dimension de feu. Et je crois que c'est ce réveil mondial. Ce n'est pas pour rien que Dieu a suscité MCI TV. Ce n'est pas pour rien que Dieu suscite des voix. Je suis en France, je vois le nombre des jeunes qui vont dans les métros parce qu'il y a une passion. Quelque chose brûle en eux, ils disent non. Il faut dire, il faut parler, il faut impacter, il faut annoncer l'évangile. Jésus revient bientôt. Mais si on n'a pas le feu sur nous, ça sera difficile. Et ça, c'est le revêtement. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour qu'il m'envoie guérir les malades, les cœurs brisés, délivrer les captifs. Le feu maintenant sur nous, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Paul dit, mais le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Les gens ont besoin de voir les démons chassés, les malades être guéris, les cœurs transformés, des proconsuls qui vont être touchés par la puissance de Dieu
et les magiciens être frappés d'aveuglement à cause de l'autorité de Dieu qui émane de ce chef-d'œuvre que nous sommes. Parce que tel il est, tel veut que nous soyons. Nous sommes ses représentants, nous sommes ses fils. Voyez-vous un peu. Et une image que j'ai vue en parlant de Moïse, c'est quand la gloire de Dieu est descendue sur la montagne, il y avait un spectacle magnifique, des coups de tonnerre. C'était terrible que le peuple avait peur. En fait, c'est ça Dieu. Dieu est tellement glorieux. Et vous avez dit tout à l'heure, nous portons ce trésor dans des vastes terres, afin que la grande puissance soit rendue à Dieu et non pas à nous. Et nous avons besoin de ce feu pour que le monde voit. Il y a des personnes qui ne croiront pas, tant qu'ils ne voient pas. Or, je suis le chef d'œuvre de Dieu, c'est-à-dire je représente Dieu. Lorsqu'on me voit, on doit voir le Créateur, on doit voir la signature du Créateur. Et je crois que Dieu veut amener son peuple, autant que nous sommes, à cette dimension où le feu éclate, le feu brûle au-dedans de nous, mais aussi le feu de Dieu nous revêtit. Et Moïse a demandé à Dieu et dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors fais-moi voir ta gloire. Alors qu'il avait eu l'expérience du buisson ardent. Mais cela ne suffit pas. Avec Dieu, on peut aller de dimension en dimension, de gloire en gloire, de progrès en progrès. Tout dépend de notre soif. Tout dépend du désir que nous avons. Plus nous désirons Dieu, plus Dieu se manifestera. Et ce chef-d'œuvre, Dieu veut le présenter aux hommes, mais il faudrait que ce feu-là soit visible. Et Moïse monte sur la montagne, pasteur Jérémie, il monte sur la montagne, 40 jours, 40 nuits. Moïse descend, il ne savait pas, son visage rayonnait. La gloire qui était à l'intérieur s'est manifestée sur son visage. C'est la raison pour laquelle même Christ voulant montrer à ses disciples l'importance et la gloire du royaume de Dieu, il les a transportés sur cette montagne qu'on appelle la montagne de la transfiguration. Et là, il va se métamorphoser. Voilà la transformation. C'est ce qui est de l'intérieur qui sort. En fait, Christ est glorieux, mais son corps était comme un voile qui empêchait que cette gloire intérieure se manifeste. Mais là, ce qui était à l'intérieur de Christ a été visible. Élie apparaît, Moïse apparaît, cette gloire, cette nuée, c'était magnifique. En fait, c'est à ça que Dieu nous amène. Parce qu'il dit, nous tous, nous avons le visage découvert. Moïse devait mettre un voile. Mais on dit, mais aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de voile. Lorsque le cœur se tourne au Seigneur, le voile est ôté. Nous avons là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Il dit, nous avons le visage découvert. Mais nous devons être maintenant transformés en cette image de gloire en gloire. Et c'est ce chef-d'œuvre que Dieu est en train de chercher, de soupirer, que ce soit au Canada, que ce soit aux Antilles, que ce soit en Afrique, en Europe et partout. Et c'est ça qui bouillonne dans mon cœur. Si je veux voir cette église triomphante, cette église, ce peuple de Dieu qui n'est plus abattu, qui n'est plus, malgré les problèmes, les difficultés, les persécutions. D'ailleurs, plus on les persécutait, plus ils devenaient puissants. Plus on les battait de verges, plus ils annonçaient avec force le témoignage de la résurrection de Jésus. Cela veut dire que rien ne peut nous empêcher de manifester Christ. Parce que si je suis un chef-d'œuvre, c'est juste pour manifester Christ en moi, Christ en nous. C'est l'espérance et la gloire. En gros, Dieu veut vivre en nous. Et il veut que le vase que nous sommes, vase d'honneur, soit ce vase-là qui va le présenter au travail. Tu es un vase qui représente qui? Christ. À l'école, tu es un vase qui représente Christ. Dans le ministère, partout où tu voyages, tu représentes Christ. Et sans même beaucoup crier, notre vie sera un véritable témoignage. Et c'est ça, au fait, le but de Dieu. C'est que nous soyons rendus semblables à l'image de son Fils. Et c'est ça le but même de, je dirais même l'objet même de toute la Bible. Le premier Adam a échoué. Le deuxième Adam a réussi. Là où il a échoué, il est venu nous relever et nous repositionner. Adam n'est pas tombé du ciel, mais il est tombé de sa position. Et Christ est venu nous repositionner avec lui pour faire de nous de la boue, de la poussière, il relève le pauvre, du fumier l'indigent, cette argile pour le faire asseoir avec les grands. Et la grandeur sommeille en beaucoup d'entre nous. Et ma prière est qu'au travers de cette série, que Dieu puisse enflammer quelqu'un, que Dieu puisse embraser quelqu'un. Il fait des vents, des messagers et de ses serviteurs des flammes de feu. Et Paul dit, nous devons briller au milieu d'une génération perverse et corrompue comme des flambeaux.
portant la parole de Christ. Et ce vase que nous sommes, nous portons Christ. Nous dégageons le parfum de Christ. Et sans parole, les gens peuvent être gagnés. Et surtout, Dieu sera glorifié. Amen. Amen. Est-ce que tu voudrais prier pour les gens par rapport à ce feu de Dieu? Bien sûr, bien sûr. C'est ma passion, c'est mon désir. Pasteur, il y a quelque chose qui bouillonne en moi. L'Esprit de Dieu bouillonne en moi pour dire c'est le temps. Paul disait c'est l'heure de se réveiller enfin du sommeil. Car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Nous sommes dans un temps où l'Esprit de Dieu est pressé d'agir. Il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Après avoir fait ce travail où il a changé le cœur de pierre en cœur de chair, une fois que tu es prêt, tu étais malléable entre les mains du potier. Voici le temps arrive où il veut maintenant déverser. Il dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et depuis le baptême de Jésus, le ciel est ouvert. L'Esprit de Dieu a été envoyé et il veut te remplir. Il veut t'embraser. Il veut embraser ta vie, embraser ton ministère, embraser ta famille, embraser tout ce que tu es et ce que tu vas faire pour que qui est les marques du Créateur au travers de ta vie. Tu es un porteur, une porteuse de Dieu. Tu portes Dieu, tu portes la gloire de Dieu avec toi. Et cette gloire doit se manifester et se déteindre. Ma prière est que Dieu t'embrase à nouveau. Ma prière est que Dieu te façonne, que Dieu te fasse passer par ce feu où à l'intérieur tu es bâti, tu es affermi. Tu n'es plus un enfant flottant, ballotté à tout vent des doctrines. Tu es stable en Dieu. Tu n'es plus une personne qui vacille. Mais tu sais ce que tu veux. Ce que tu vaux avec lui, et tu laisses Dieu te valoriser et te présenter. Comme il a présenté Élie, comme il a présenté Moïse, comme il a présenté Samuel, comme il a présenté, oui, Daniel, il veut également te présenter. Oui, ce feu va tellement toucher ton cœur, toucher ta vie. Tu ne peux plus rester insensible à la voix de Dieu. Tu diras, oui, Seigneur, me voici. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dieu dit, qui enverrai-je dans cette génération? Et qui marchera pour nous? Qui ira? Qui parlera? Qui me représentera? Dieu cherche des vases qu'il veut présenter. Il dit, si quelqu'un s'abstient de ces choses, si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Le maître est en train de chercher des vases d'honneur qu'il veut envoyer, qui doivent le représenter pour aller manifester sa gloire. C'est pourquoi Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux te voient. Oui, ce feu est là pour t'embraser. La Pentecôte, ce n'est pas seulement à la naissance de l'Église. Tu peux vivre la Pentecôte. Il y a eu William Seymour qui a cherché Dieu, qui a soupiré après Dieu à Susa Street. Il y a eu un mouvement puissant de l'Esprit. Et l'Esprit est prêt d'agir. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. L'Esprit est prêt à se déverser. Il y a un feu qui va embraser des cœurs, qui va embraser des jeunes, qui va embraser des hommes et des femmes. Un feu qui va embraser des ministères pour aller, qui va embraser les chantres, les musiciens, qui vont apporter la gloire à l'Éternel. Et il est temps. L'Esprit me dit qu'il est temps. Il est temps. Il est temps. Il est temps. L'Esprit est pressé d'agir. Il attend des vases disponibles. Il attend des vases qui sont prêts. Il attend des vases qui se disent, me voici, fais de moi ce que tu veux. Je reconnais tout, tu peux tout. Et rien ne s'oppose à ces pensées. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Oh oui. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Comme Moïse a prié,
Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. I'm seeing ta gloire. Par les nations, ta gloire. Ta gloire. Seigneur, qu'elle touche la francophonie, qu'elle touche les hommes, qu'elle touche les nations. Tu dis, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Oh oui, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alors que nous sommes en train de prier, si tu es malade là où tu es, pose ta main sur la télé. Aie foi en Dieu. Ce n'est pas la télé, mais c'est Dieu. Touche ta télé et pose la main là où tu as mal. La puissance de Dieu se dégage de ce plateau. La puissance de Dieu se dégage pour te guérir. Je vois les maladies quitter le corps. Je vois les cancers quitter le corps. Des maladies incurables, maintenant même, par la puissance du nom de Jésus. Je vois les sourds qui entendent. Je vois des paralytiques qui se lèvent, qui commencent à se lever, jeter le béquille et marcher. Je vois des aveugles qui voient. Je vois, oui, les boiteux qui se lèvent et qui marchent au nom de Jésus. Que vos maladies vous quittent maintenant. Que la puissance de Dieu vous guérit. Elle vous guérit maintenant même. Que le démon qui avait bloqué votre vie, les esprits mauvais qui vous envoûtaient, qui vous empêchaient d'avancer, qui vous oppressaient, soient chassés maintenant au nom de Jésus. Lorsque le feu descend, c'est le doigt de Dieu. Jésus dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse le démon, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Que Dieu soit béni. Que Dieu bénisse MCI TV. Que Dieu bénisse son peuple, où qu'il soit dans le monde entier. Et que la flamme de Dieu ne fasse que croître, augmenter, attiser le feu. Au nom de Jésus, il dit, le feu brûlera sur l'autel constamment et ne s'éteindra point. Et je demande que ce feu de la prière, de l'adoration, de l'amour de Dieu ne s'éteigne point de ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Laissez-vous continuellement remplir par le Saint-Esprit. Alléluia. Que la puissance du Saint-Esprit soit sur vous. Plusieurs d'entre vous, vous devez fermer la porte maintenant et rester dans le lieu secret. Continuez à prier, cherchez sa face et il se laissera trouver par vous. À très bientôt, frères et sœurs. On se retrouve dans Prière Inspirée. Je vous souhaite un excellent week-end dans la présence du Saint-Esprit.